Salut YouTube, c'est Elden Ring épisode 6. Let's go. Bon, je crois que je suis plus Covid-dead, même si je suis complètement KO et que j'ai des courbatures de fou dans le dos. En vrai, je suis peut-être encore Covid-dead, hein. Allez, donc on était niveau 23, 6h30 de jeu, aval orage, let's go. Donc, plein écran déjà. Le truc, c'est qu'on va peut-être très rapidement là tomber sur un boss assez connu du jeu que j'ai vu plusieurs fois en live parce que c'est un early boss et qui fait rager pas mal de monde. Donc le but, ça va être quand même d'essayer d'explorer un maximum voie l'orage avant de lui tomber dessus. Ou alors lui tomber dessus avant de. Lui tomber dessus une fois, se faire casser le cul, savoir où il est et puis continuer d'explorer dans le coin. Mais bref, nous on avait trouvé notre petite. Truc, donc on a 168 runes, on a la méduse. On a équipé la méduse ou pas? Oui. Pour la tester. J'ai eu beaucoup de monde en parler de la méduse. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier? En premier direct, ce que j'ai envie de faire, c'est redescendre, tenter le géant là. Hein, commencer l'épisode par quelque chose d'intéressant pour changer. Ah non, mais vous allez vous faire foutre, hein. J'ai autre chose à foutre. Par contre, il était où? Il était de l'autre côté de la route, là, je crois. Vous me suivez longtemps, là? Vous voulez pas me faire chier quand je tape le gros, hein. Ah non, mais alors vous, là. Pas me casser les couilles, hein. Oh, il fait beau. Alors, où qu'il est? Ah, mais ils vont venir me faire chier 100%, les bouquetins, là. Regarde-le, lui. Je suis désolé, je suis obligé de tuer vos mâles, hein. Ils cassent les couilles à tout le monde, là. Alors, toi, je voulais pas te tuer, mais c'est pas grave. Bon, bah, finalement, on commence l'épisode par un génocide de bêtes innocentes. Ça se fait aussi. Par contre, il est où, le géant? Tu vas voir qu'il apparaît que la nuit. J'aurais dû le marquer, hein. Peut-être qu'il est de l'autre côté, là. Oh, je sais plus. J'aurais dû le marquer. Ah, mais je pense qu'il était de l'autre côté. Hein. Non, il était pas par là. Oh là là, il est perdu le gars. Oh, c'est stylé, hein. C'est stylé. Parce que finalement, là, j'explore quoi, là? Rien d'intéressant, là, il y a des sbires. T'es tout seul? Alors, t'es pas tout seul. D'accord. Putain, mais il peut m'interrompre en fait. Il s'en tape. Il peut m'interrompre en fait, le bougre. Le schlag. Donc il y en a un deuxième. Flèche de feu, allez. Tu peux la pas équiper, j'espère. Si, bien évidemment que si. Là, c'est un peu chiant qu'il me l'équipe. Tu veux la bagarre? Mais il s'en tape! Un truc de fou. Je suis censé être. Il s'en tape. S'en tape. Ils s'en battent les couilles, confirmés, hein. De ça, ils s'en tapent. Mais où vais-je?
Oula, c'est proche là. Donc c'est là qu'on a trouvé la cabane. Donc 100%, on connaît pas du tout ici, putain, mais oh là là, c'est immense. Qu'est-ce à dire? Oh là là! Oh, c'est un gros bill, c'est un poteau. Il est comme moi. Enfin, j'arrive, frérot. Un poteau bourrin. Oh là 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 là, cette classe. Si je te tue, j'ai ton stuff. Sérieux? Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Ma foi est inébranlable. J'ai des doutes. Mec, pas la lol. Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. That's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is this sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. Oh, stylé. Not floating well. On va juste faire un truc. Parce que je trouve le son des dialogues assez bas. Ah bah en plus je l'avais déjà monté, super, on va le mettre au à fond. Et la musique légèrement plus forte que les effets sonores, quoique non, c'est bien en même temps. Il est trop classe. Apprendre des compétences, parler, tu racontes quoi? Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. Hell yeah, je peux avoir ton épée. Meaning even to falling in battle, to death itself. Alors, ça coûte. Ok, il nous file des cendres de guerre. Donc, entaillant ton là. Coup de pied, ça a l'air. Résilience. Octroi. Oui, bah ok, mais je peux savoir quoi. Vous vous ancrez dans le sol et vous préparez à encaisser les prochaines attaques, ce qui augmente brièvement votre équilibre. Réduit les dégâts subis pendant la durée de l'effet utilisable sur toutes les armes de corps à corps. Cri de guerre. Vous poussez un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque. Tant que l'effet d'actif convertit vos attaques puissantes en charge vers l'avant. Ah, la parade. Bon, là, celui-là. Lame tempête. Oh, mais il y a des trucs stylés. Empalement. De contrer les boucliers avec une arme d'estoc. Vous concentrez votre force, vous puis portez un puissant coup en avant capable de transpercer la garde de l'ennemi. Utilisable sur toutes les armes capables d'être stockées. Donc, on est bon. Pas vif. Technique privilégiée des combattants prestes et roublards. Vous effectuez un pas rapide, un rapide pas de côté, tournant ainsi autour d'une cible verrouillex. C'est sur toutes les armes de corps à corps. Lame tempête, compétence oubliée de voile orage. Vous entourez votre arme de tempête violente que vous pouvez projeter devant vous. Vous pouvez lancer rapidement plusieurs projectiles d'affinité, d'affilée. Utilisable sur les dagues ainsi que sur toutes les épées sauf colossales et des stocks lourdes. Oh, je suis deg. Je suis deg. Aucune compétence. What the fuck, cette arme ne dispose d'aucune compétence. Si l'arme tenue dans votre autre main possède une compétence, celle des celle-ci qui sera utilisée. Utilisable sur tous les boucliers et les torches. Ah ok, intéressant. Alors qu'est-ce qui nous intéresserait? Le cri de guerre, ça a l'air cool. L'entaille tournoyante. Compétence appréciée des guerriers les plus adroits. Vous tournez sur vous-même pour taillader vos ennemis. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques d'affilée. Utilisable sur les dagues ainsi que sur toutes les épées sauf des stocks, les haches et les armes d'albaste sauf les armes de taille colossale. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser ou pas ça? Je sais pas. Donc cri de guerre. L'empalement peut-être aussi. Donc j'ai pas assez d'armes. Hell, je reviendrai te voir frérot. En tout cas...
Gros sens du fashion, je respecte. Du coup, t'es marqué sur la carte. Cabane du maître de guerre, chevalier Bernal. Est-ce qu'on peut le marquer? On le marquerait de quoi, lui? D'une épée pour dire qu'il vend des trucs. D'épée. Enfin, des cendres de guerre, quoi. On s'est compris. Allez, let's go. On continue notre découverte des plaines. Puisque de toute façon, le colosse, le géant, là, je sais pas où il était. Donc, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire que la région, là? Ah non, mais là, je suis sur les géants, je m'en tape de leur vie à eux. Moi, je veux le gros géant. Remarque, voilà, on avait les runes. Hein. On avait les runes pour prendre une cendre de guerre. Oh. On va faire ça. Je vais prendre... Oups, je voulais pas détruire ta barrière, mec, je suis désolé. Oh, on en a plein. Il y en a un qui est mort là, ce con a essayé de l'attaquer. Donc je vais acheter ça, je vais pas pouvoir l'utiliser, je vais être deg. En espérant qu'on l'avait pas déjà. J'aurais dû vérifier avant, je suis trop con. Alors, Sandro de Garu. Empalement, sinon j'avais... Piétinement orageux. Ah mais ça c'est ce que j'ai déjà. Non? Je sais pas. Termination. Ah mais ça touche au stade de mon arme aussi. Ah ouais. Ah c'est vrai, affinité octroyée. Ah et si j'octroie l'affinité, là ça va toucher à mes compétences. Ok. Et donc là... Ah et là ça touche à ma mana aussi, ok. On peut la tester, je sais pas si je vais la préférer à l'entaille ascendante, mais... Enfin pas à l'entaille ascendante, mais on s'est compris quoi. Et let's go sur ce camp de sbires. On va essayer de pas crever en poule comme des sbires. Yo. Ah ouais d'accord. Aïe. D'accord. Il y a un chien. Il y a un chien au secours. Ok. Donc ça va plutôt easy. Vous êtes beaucoup encore? Oh toi. Et merde. Il y a un boss. Enfin, un mini-boss. Bon, s'il est solo, ça peut se gérer. Oh, t'as une épée? Let's go. Oh, il va me faire chier, lui. Bravo. Ok. C'était de la merde.
de la merde. Trop tard. Oh l'enculé. Joli. Ah, oh, tu lâches pas de stuff, je suis deg. Donc apparemment, pour looter plus de stuff, il faut monter l'ésotérisme. C'est quoi, les chiens, je vais les laisser tranquilles, je re... Hein. Je re vers vous. Dans quelques instants. On va d'abord faire le tour et s'occuper des sbires par là, si c'est faisable. Ah merde. Bravo. Oh le coffre là. Non mais lui là. Us. Les chiens ils ont rien capté, c'est bien. Écu bestial. Moi je voulais l'épée du mec. Ou après si c'est une épée à une main, je m'en fous. Les chiens s'en tapent complet. Genre complet. Donc moi ça me va. Oh le schlag. Chapelle de Fantasen. Us. Qu'est-ce que tu lâches? Sans de bait. Ça c'est Bloodborne. On est dans Bloodborne. Est-ce que je peux les pécho par en haut les chiens? Non. Sûrement pas. Non, ils vont être casse-couilles de A à Z les chiens là. Bon. Bon, ça, c'est des sbires. Et paf, les fioles. Let's go. Cher exalté. On a nettoyé le camp. Pardon. Renforce temporairement les attaques physiques. Et... je sais pas. Pas par là. Allô? Bah de quoi parles-tu? Tout d'abord, message. Qu'est-ce qu'il veut? La ruine, peut-être? Est-ce que vous avez un truc caché chez vous, comme l'autre camp, ou pas du tout? Pas du tout, hein. Oh, des papillons, je prends. Voilà, je sais pas où on va. 2 secondes. Je re... Je veux voir... Est-ce qu'on peut aller sur le truc? Bon, l'empalement, ça a l'air cool, mais je sais pas, je pense que je préfère... Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'aurais pu déclencher l'alarme comme ça, super. Il faudrait que je saute de là-haut avec le... avec le choual. Avec Ablette. Pour voir si c'est faisable. Putain, faut que je contourne sur... Tout va bien. Je préfère vous le dire, je sais pas où on va. Hein. Ok. Lance de cavalerie. Ah, oh, super. Dextérité 14. On peut quand même l'équiper pour voir à quoi ça ressemble, même son... Hein? On peut quand même l'équiper pour voir. D'accord. Pff, alors ça c'est stylé ça. Us. Voilà, gros bill.
On reste avec notre espadon. Bon bah ok. Et donc là, par là, je vais où? Ok, on va par là. On va pas y aller tout de suite parce qu'il nous dit que c'est pas une zone qu'on a encore découvert et j'ai pas envie non plus de trop partir loin, même si on pourrait. Hein. En vrai, on peut. Oui. Anyone? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well clear. Give it your all, I say. Mm-hmm. C'est sûr de toi. Non? Don't stop now, Prim. Just keep... Put those doubts to rest. Huh? Give it your all, I say. C'est sûr de toi. Exultation de joie. Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Ah. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation. Allez. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid Wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Ok, un festival martial, mais c'est pas la fin du monde là. I'm heading eastward to Redmane Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Kaelid Wild. I've heard there's to be a festival held there. Ok. Eh ben, vas-y. On se retrouvera là-bas dans 70 épisodes. Alors, et donc aux confins de la carte que j'ai découverte, il y a quoi? Il y a un... Oh ben, il y a un gros bill débile. Il hein. Y a un gros bill débile. Là, on revient là, pas de soucis. Ah, du coup, vous, je vous ai encore jamais tapé dessus, je crois. Et je parle des gros. Hein. Bravo. À chaque fois, je m'imagine que j'ai la même portée que dans Bloodborne, alors que... Ah non, mais toi, t'es chiant, toi. Oh, ils sont relous, eux. Arrête de bouger. C'était pas prévu. Oh, comment il est trop vénère! Je vais décéder. Oh, il a tellement de vie! Adieu. Tu as beaucoup trop de vie. Tu as beaucoup trop de vie. Je m'en vais. Alors autant j'ai déjà tapé un crabe, autant toi, les crabes géants là, ils sont prenables, mais alors toi, un peu la flemme là. Hein.
Et toi, tu dis quoi? Est-ce que je peux te taper ou est-ce que c'est chaud? En tout cas, il est con. Il est con, mais il doit être vénère. Bah, tu tapes dans quoi? Il est con. Pierre de sanctuaire. Qu'est-ce que ça dit? Saut droit devant. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Pierre de fourche. Nécrolimbe. Ah, donc on revient sur les nécrolimbes, mais pas occidentales cette fois. Là, c'est nécrolimbe tout court. Ok. En marchant. Joli ce que tu joues. Viande de tortue en sommeillant temporairement la récupération d'endurance, pas mal. La fabrication des éléments suivants, viande de tortue en saumure, flèche en os empoisonné, carreau, hein, c'est au cas. Masque de Banzi, notre char de feu. Je sais pas pourquoi j'achète tout ça, ça me sert pas à grand chose moi. Mais je les prends quand même. Ouais, je vois ça. Mais c'est pas grave. J'avais pas du stuff à te vendre. Est-ce que j'ai pas du stuff en rab à te vendre? Si. Ok frérot. Ah oui, il y a de la tortue à défourailler là en pagaille. On est en train de se perdre, on fait nimp. On fait nimp. Immense le jeu. Mais du coup... Du coup on backtrack parce que moi ce que je voulais pour l'instant c'était explorer un peu Voile Orage. On va rester fidèle à nous-mêmes et à ce qu'on veut faire. Donc là on revient sur ce camp. Arrêtez. Ok. Donc là, on n'a pas exploré. Hein. Oh, t'as l'air relou, toi. Oh, comme t'as l'air relou.
Qu'est-ce qu'il fait? Bravo. Bah alors? Bah vas-y, tombe, hein. Merde. Pourquoi j'ai jamais mis de coup? Let's go. Technique de lâche. Qu'est-ce que tu lâches? Cendre de guerre, serment doré. Let's go. Et là, ça dit quoi? Bonjour. Non, je le savais, quel abruti. J'arrive, frérot. Ah, disparuche. Je suis deg. Par contre, là, pourquoi c'est en flamme? J'aime pas ça. Oh, y a un truc en bas, là. C'est les champignons. On s'en fout. Ok. Ça brûle, j'aime pas. Si on va dedans, on crève. Ah, c'est quoi ça? Ah, la limace de feu. Ok. Papillon flamboyant. Oh, vous êtes des sbires, quoi, génial. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Qu'on a le château, hein. Il va me dire de sauter, comme d'hab. Objet droit devant, bah oui. Oui, je vois ça. Je vois ça, quoi. À moins que... Ah. Oh ouais, non, mais alors là... Graisse soporifique. J'ai déjà de la graisse en enduit l'arme et lui confère des dégâts de feu. Enduit l'arme et lui confère un effet de sommeil. Pas mal. Pourquoi c'est rouge? Bah lui il est mort. On peut faire le tour complet. Hein. On peut faire le tour complet mais... Au secours. Ok. Et donc au pied de ces trucs, y a rien. Ce pont. Qu'est-ce qu'ils disent? Que tâche de sang soit. Pas de objet en vue. Ah, ils ont essayé, hein. Ils ont essayé. Ça a tryhard l'objet. Merci pour la réponse. Ok, donc là on peut s'amuser. À se faire chier. On peut se faire chier, on peut visiter, c'est cool.
100%, il y a des murs cachés de partout ici. Qu'est-ce que ça dit? Admirez Kulsac. Il vous a légué Kulsac. Hein? Pourquoi il a lâché le or? Petite effigie rouge, doigt crochu de duelliste. Henricus le réfractaire a envahi votre monde. Ah non, mais je veux pas de combat. Ah mais... Mais mec, t'es niveau combien? Regarde le stuff qu'il a. Pas le temps. Ah, j'ai pas pu bloquer. Oh le bâtard! Joli. J'ai pas envie de faire du PVP là. C'est pas grave. Ah, c'est même pas du PVP, c'est des. Il se heal pas, c'est pas du PVP, puis il a un nom trop. Let's go. Utilisez un doigt crochu de dueliste pour inscrire une marque d'invocation rouge lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque. Une session multijoueur compétitive débute. Vous endossez alors le rôle d'adversaire dueliste et avez pour objectif de vaincre l'hôte des doigts qui a lancé l'invocation. Let's go. J'ai récupéré, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vraiment cru que c'était du PVP au début. Hein. C'est tuto PVP, quoi. Je ne demandais qu'à me battre comme un guerrier jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi, aux grâces dorées, cette porte refuse celle de s'ouvrir? Tu n'es pas digne. Alors, du coup, j'ai looté quoi, là? Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup d'objets dans ce jeu. Hein. Donc, j'ai le doigt de dueliste, créer une marque d'invocation pour multijoueur compétitif, consigne une marque compétitive dans un recueil d'invocations. Il fait nuit, on pourra aller taper sur le géant, hein, peut-être. Maybe. Maybe. Bon, en tout cas, on se fait bien chier dans cet épisode, ça c'est cool. Ça c'est bien cool, quoi. Il m'a fait peur. Pourquoi vous cherchez absolument tous à crever comme ça? Je vois pas où, je sais pas où je suis. Hein. By the way. Ok, on est vraiment à la limite de la map qu'on a découvert. Qu'est-ce qu'il veut? Quelque chose, pourquoi? je reviens. Il est où le géant? Bon, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il me fait repopper des graines dorées toutes les, tous les 4 du mois? Pas du tout.
Ah, et vous utilisez la ruine là comme un pont sur lequel vous vous touchez, c'est bien. Le géant de feu, où est-il? Il est là. Ah, mais les bouquetins par contre là. Faut que je les tue. Hein. Ouais, il faut que ça disparaisse. Hein. Il prend zéro dégâts, non? Non, pas les chauves-souris. Oh, vas-y, tape-les. Us! En fait, vous pouvez crever, non? J'avais pas vu qu'il était aussi prêt, au secours. Donner à manger au cheval. En fait, t'es largement prenable à pied, je pense. Et vu que je suis un lâche. Oh, ça va. On aurait pu tenter de le prendre à pied quand même. On est un peu des. Par contre, tu lâches rien. Oh, je suis deg. Écoute, c'était pour la gloire. Où j'ai vu? J'ai vu. Qu'est-ce que ça dire? S'asseoir en tailleul. On l'avait pas déjà celui-là? Non. Pour aller voir là aussi parce que je crois qu'on l'a pas vu. Okay, non, on l'a pas vu. Certified, qu'est-ce qu'il y a? Éclat de lumière stellaire, allez. Ah, c'est dans des... Restaure progressivement des PC. Oh, let's go. C'est bien ça. C'est bien. On apprécie. On apprécie. Qu'est-ce qu'on pouvait voir d'autre? R. Le cochon. Un truc. Ah, c'est juste un crâne, ok. Oh, les méduses! Que se passe-t-il? On va se faire prendre à distance, on va rien comprendre. Ah, mais j'ai 3000 runes, j'ai un level là. Qu'est-ce à dire?
Oh, j'aime pas ça. Oh non. Arrêtez. Mais vous êtes méchante ou pas? Ah, vous êtes des bros. Ah merde, ah, du coup, toi, t'as vu que j'étais un connard. Vous avez rien vu, les autres. Moi, j'arrête de les tuer, c'est des bros. En plus, ils lâchent pas de loot, alors... Je suis le copain, regardez-moi, je tue les méchants. Alors les squelettes, je sais pourquoi ils repopent aussi. En fait, pendant qu'ils se régénèrent, il faut les achever. Super. Un chef connard. Je vais me faire tuer. D'abord s'occuper du chef là. Super. Un peu relou parce qu'en plus on peut pas les fragments d'ossements. On peut pas les viser quand ils se régénèrent, donc c'est un peu chiant. Je suis votre bro, je ne vous tue plus. J'ai fait l'erreur une fois, pas deux. Enfin deux fois, pas trois. On est des poteaux. Comme les tortues, je vous tue pas. Quoique les tortues, peut-être que j'en tuerai, mais ça c'est une autre histoire. Ok, la plage, ou même pas l'océan tout court. Oh, c'est quoi ça? Il y a beaucoup trop de choses à voir dans ce jeu. Je pensais qu'il allait se passer des trucs épiques, mais au final, ce sera juste baladé, quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Alors juste... Et du coup, sur votre rocher, il y a quoi? Oh non, mais là, c'est ça, ça sent le bouquetin, là. Vous avez envie que j'utilise le bouquetin, hein, c'est pas possible. Je vais décéder. Ah. C'est un peu risqué aussi. Parce qu'il y a un objet, c'est worse, là, de crever plusieurs fois là-dessus. Il y a un objet en haut. Et un message. Il y a un message qui dit des trucs. Et alors quoi ici? Ah, pourquoi elles sont rouges là-bas les méduses? J'ai rien fait. Elles m'ont vu tuer leur pote tout à l'heure. Allô? Quige? Excrément. Ah merde. Aïe. Ah oui, vous êtes beaucoup et je suis genre tanké dans le pixel. Je vais crever. Cendre de soldat de Godric, allez. Attends, on en loot plein des cendres. Et vous, pourquoi vous êtes méchante? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. Rose de sang. Rose de sang.
matériaux de... Particulièrement apprécié par ceux qui servent le Seigneur du Sang, loué soit son inéluctable règne. Ok. C'est qui le Seigneur du Sang ? Je suis tanké dans le pixel. Je sais pas où je vais là. Bon bah on s'est fait le connard. Voilà, et là on revient sur la route principale. On s'est fait le géant de feu, on a bien... Ah non. Non. Je me casse. Les sbires là. Arrête, repose-toi. Ah, j'ai pas assez. On a fait des trucs, quoi. Donc on prend un level et on va... On va voir. Qu'est-ce qu'on se met un petit level en... En vigueur, ce serait bien, peut-être. Hop. Et donc d'ici, on monte. On reprend la route. Des messages, c'est pas grave. Est-ce qu'on se fait tous les connards qu'on croise ? Bon, ils s'en foutent, hein. Ils en avaient rien à foutre, là. Donc tout ça, ça a été vu, on est d'accord ? Je pense. Une effigie de Marika, ça craint. Ça cure. Alors toi. Cendre de guerre, frappe déchaînée. Allez. Putain, mais toutes les cendres de guerre qu'on loot, quoi. Il est con, quoi. Attends, wait. Je voulais pas que tu fasses ça. Ah voilà. Là on est bien là. Par contre je peux pas avoir un dans chaque main. Non. Je ne pense pas. Non, on n'est pas encore venu là, mais c'est infini ce jeu là. Oula. Oula. Oh, ça me rend fou, hein, le coup des « prends à deux mains, prends pas à deux mains ». Mais elle est où, mon épée, connard ? Ah, voilà. On est des potes. Apparemment, on est des potes, hein. You, please, I can read them. Your fingers. Oh, bless you. Foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Oui. You're
Ok. Non, vos messages de mort, là, gardez-les. Ok. Va peut-être falloir prendre des notes un jour sur tout ce que nous disent les PNJ, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de... vieillarde de l'augure des doigts. Mais voilà, c'était elle. Manuel de guerrier nomade. Il n'y a pas des objets là. J'ai tellement envie d'y aller, mais en même temps. Non, c'est un message de mort. Ah, j'ai envie d'essayer. Ok. Pour recherche, Oura. Quoi, tu veux que je tombe là? Tu m'as pris pour un con. Ah, mais de là on peut descendre, remonter là-haut, je sais pas pourquoi faire d'ailleurs. On peut le faire. Mais là on est déjà venu, non? Non. Comment ça je l'ai raté? Ah bah je l'ai eu. Cendre de guerre, mur tempête dessus. Let's go. Let's go, quoi. Pourquoi il y a des messages? Pas par là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oula. Oula, oula. Oula, ça prend cher, là. Le jeu sait pas trop quoi faire, là. Non. Ah, et là on peut pas remonter. Bon, je vais me TP quoi. Allez, c'est tombé. On se re-TP là et cette fois on essaye de voir des trucs. Essaye de voir ce qui peut se passer avant de terminer l'épisode. C'est vraiment les petits épisodes tranquilles avant de se faire casser le cul en boucle par le même boss. Ok, donc lui il m'indique quelque part par là. Et donc moi il faut que je monte. Ok, on était arrivé là, effigie de Marika, mais nous on était parti à droite. Tellement de choses à voir dans ce jeu, putain. Us. Et où l'autre? Aïe! Aïe. Quoi, t'es où? Là. Oups. Ton pote, il a pas lâché son espadon, je suis deg. Ah
Ah mais je l'ai pas à deux mains l'épée. Je voulais pas faire ça. C'est pas grave. C'est quoi, on va... Je le vis bien. Voilà. Oh le bâtard. Joli. Bah qu'est-ce à dire? Ok. Ok quoi. Ah oui, non, mais il faut pas. Là, je suis à portée de... À portée de catapultage. Ok. Je vois. Ne le fais pas deux fois, ne le fais pas deux fois, voilà. Catapultage, donc, très bien. On reste frais. Bang bang. Ah ouais, vous êtes 140. Au secours. Au secours. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Arrête, arrête. Arrête. La guerre. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Faut que j'arrête d'essayer les contres. Putain. Bon, c'est de la merde, hein, cette... Je pense qu'on va arrêter d'essayer des trucs. Oh non! Adieu. Adieu. Comment ça, ils s'en battaient les couilles? Je vais serrer. Ouf. Ce qu'on fait, c'est... Allô? Je suis en combat? Avec qui? Oh là là... Ah oui, d'accord, mais j'ai un arbalétrier qui m'a gardé en... Ok. On retourne au site de grâce et on arrête là. Pour cet épisode. Ce sera très bien. Ce sera très bien. YouTube, des bisous, pouce bleu, abonne-toi. À très bientôt pour la suite d'Elden Ring. Ciao.